aujourd'hui on vient pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de produits qui vont nous servir et nous sauver la vie aux vacances. Parce que les vacances c'est bien, mais éviter les coups de soleil et se faire bouffer par les moustiques c'est encore mieux. Alors si comme moi vous êtes sujette à devenir le garde-manger de ces moustiques tigres, vous avez deux solutions. Soit vous faites manger et vous n'avez pas le choix et vous faites des grosses pustules qui vous démangent et vous vous grattez au sang. Dans ces cas-là, j'ai une solution. Cette petite chose. Ça s'appelle le Dappy Stick. Ça se trouve en pharmacie, c'est un stick bille comme ça. Ça se trouve comme ça, ça se présente comme ça. Et ça pue la lavande. Je déteste l'odeur de la lavande. C'est vous dire si ce produit est magique, parce que si c'était pas magique, jamais de la vie j'appliquerais ça sur ma peau. Ça sent la lavande et en fait ça a la particularité de soulager quasi immédiatement les piqûres de moustiques. En fait j'ai un gros problème, c'est que le moustique quand il me pique la peau, il me fait des boutons comme ça. Mais je ne plaisante pas, j'ai vraiment des grosses pustules qui me grattent, qui me démangent, ça prend de l'ampleur, ça devient énorme. Et je pourrais me gratter jusqu'au sang à m'arracher la peau. Et ce truc-là est juste merveilleux, ça me soulage à mort. Et donc j'utilise ça depuis quelques années et c'est vraiment hyper, hyper bien. Donc Dappy Stick, c'est les laboratoires Boiron qui font ça, on trouve ça en pharmacie. Et je le recommande, je le recommande, je le recommande, je le recommande, prenez-le, c'est trop bien. Si par contre, vous allez dans le sud et il y a une infestation de moustiques tigres, comme là où j'ai été, il y en avait vraiment des tonnes, on pouvait les attraper à la main, c'est vraiment une horreur ces moustiques. Et donc du coup chez ma mère, ou là où j'ai été en vacances, chez ma mère à Nice, il fallait vraiment se protéger et c'était pas une ou deux piqûres, c'était vraiment tout le corps qui était bouffé. Mon fils a été bouffé aussi, pareil comme moi il fait des réactions, donc c'était pas terrible. Et donc j'ai été acheter, sur les conseils de ma copine Alexienne, le 5 sur 5. Qui se présente comme ceci, qui est pour toute la famille, donc on peut l'utiliser dès 6 mois, on peut l'utiliser en étant enceinte, il est efficace 8 heures, on en met le matin, on s'en pchite partout sur le corps, on peut même s'en pchiter sur le visage, c'est la pharmacienne qui me l'a dit, donc moi je l'ai écouté, j'en ai mis sur mes mains et j'ai voilà, tapoté le visage, parce que oui, je me suis fait piquer au visage, hein, ces gros bâtards ont voulu aussi s'attaquer à mon visage. Et donc ce truc là, l'odeur est pas terrible non plus, hein. Non, c'est pas que c'est très gênant, mais c'est quand on pchite, on a un peu l'impression de le respirer, donc c'est pas génial. Faut le faire un petit peu en apnée, c'est mieux. Et ce truc-là, c'est trop bien. C'est-à-dire que les moustiques ne vous approchent plus. Alors, le moustique tigre, c'est informe, hein, il fait pas de zzzz. On l'entend pas arriver. On le sait qu'il vous a piqué quand il vous pique, parce que oui, quand il vous pique celui-là, vous le sentez. Cette piqûre, donc moi j'en ai eu plein comme ça en train de me piquer, mais bon, pour éviter de me faire piquer et d'être obligée de passer ceci sur mes piqûres, j'ai utilisé cela et franchement c'est hyper efficace. Mes enfants aussi ont évité les piqûres de moustiques. Donc ils disent que selon l'âge, donc de 6 mois à 42 mois, une application par jour, de 42 mois à 12 ans, deux applications par jour, donc pour mon fils c'était matin et soir, et à partir de 12 ans, 3 applications par jour, convient aux femmes enceintes et aux enfants à partir de 6 mois. Donc c'est vraiment hyper bien, c'est hyper efficace, j'en mettais le matin pour toute la journée et le soir après la douche pour toute la nuit et c'est trop trop bien. Donc je ne peux que le recommander, allez-y, foncez, si vous aussi vous faites bouffer, c'est ça qui vous fait. Ensuite, je vais vous parler produits solaires. Et pour les produits solaires, donc moi j'utilise plutôt depuis 2 ans, je crois, ou 3, je sais plus, le Hawaiian Tropic Silk Hydratation. Et donc il se présente comme ceci, et il est juste trop beau, vous avez vu. Il est vraiment comme ça quand on le sort, il est tout marbré. Je sais pas si on va le voir. Ah bah non, on va pas le voir. Bon bref, du coup il est hyper bien. Et alors ça sent bon. Mais ça sent bon. Je pourrais me droguer avec cette odeur. Je pense que ça sent la noix de coco, et pourtant je sais pas pourquoi je n'aime pas la noix de coco, mais les odeurs de produits comme ça, il n'y a pas marqué ce que c'est comme odeur. Bref, ça sent hyper bon, il est super efficace si vous n'oubliez pas d'en remettre régulièrement, contrairement à moi. Le premier jour, j'ai fait mon exposition, je m'en suis tartinée partout et qu'est-ce que j'ai oublié? Le visage. Je me suis retrouvée avec une trouble de crevisse, j'étais radieuse. Donc si vous n'oubliez pas d'en remettre, il est hyper efficace parce que le fond de teint, je vais dire. L'écran solaire, c'est efficace que si on en met très régulièrement, c'est valable pour tous les écrans solaires. Moi, j'ai pris le SPF 50, ce qui n'empêche pas de bronzer, hein, vous pouvez le voir.
Sachant qu'il y a très peu de différence entre un SPF 30 et un SPF 50. Il y a 1% de protection en plus, donc c'est vraiment que dalle. Mais bon, en tant qu'à faire, quitte à avoir 1% de protection en plus, eh ben, je prends. Donc j'ai pris le SPF 50 et 12 heures d'hydratation. Enfin bon, il est vraiment trop trop bien, donc je vous le conseille. Moi, je l'ai pris chez Leclerc, mais je pense qu'on le trouve un petit peu partout dans tous les supermarchés. Et donc, comme j'ai cramé de la face et qu'ensuite j'ai aussi cramé du corps, puisque je suis allée passer 5 heures à la plage avec les enfants et on s'amusait tellement qu'on n'a pas pu passer l'heure et qu'on a cru qu'on était là depuis une heure, et en fait non. Donc du coup j'ai aussi cramé du corps entier, hein, et je vais vous prendre, présenter le dernier produit pour ça. Mais d'abord j'ai testé l'après solaire, toujours de Hawaiian Tropic Silk Hydratation. Et donc c'est un gel, là aussi il est marbré, vert et transparent et blanc. Ça sent aussi hyper bon et c'est... Celui-là il a plus... Oh, j'adore l'odeur, je serais pas capable de vous décrire. C'est frais comme odeur, c'est hyper... ça sent les îles quoi, on a trop envie de se balader. C'est-à-dire de se balader à poil, mais non pas du tout. Coconut papaya, ça sent celui-là. C'est marqué dessus. 24 heures d'hydratation, donc ouais, il est super bien. Et pour tout vous dire, ben, je vais plus au soleil, mais je m'en sers encore. Voilà, et maintenant on passe au dernier produit. Bon ok, je sais, vous allez me dire oui mais on connaît, c'est pourri ton truc. Ouais, et ben en attendant c'est peut-être pourri, mais ce machin là, ça m'a sauvé les vacances. Ouais, j'ai cramé du visage et ce truc là, j'ai mis une fois une couche épaisse dessus et c'était fini, la douleur de la brûlure. Ce truc là, j'en avais jamais eu besoin de m'en servir parce que voyez-vous, je suis de Nice et les coups de soleil, j'en avais jamais eu. Mais c'est vrai, jamais. J'ai jamais attrapé de coups de soleil. J'ai toujours bronzé et j'ai jamais eu de coups de soleil. Là, il faut dire que pour mes premières vacances, j'ai fait fort. Hein, j'ai bien cramé de partout. Et j'ai eu bien mal, notamment sur les jambes où j'ai cramé des tibias. Et ça fait hyper mal dans le lit quand on se tourne et tout ça. Et ce truc-là, pareil, m'a super soulagée. Donc si vous êtes brûlé, vous allez à la pharmacie, vous demandez de la biafine et vous mettez des couches épaisses comme ça. Vous restez comme ça sans bouger. Non, je plaisante. Mais ouais, vous en mettez des tonnes et vous en mettez le matin et le soir et c'est hyper efficace. Bon, par contre, quand vous le mettez, bah, vous évitez de retourner au soleil et puis vous mettez un écran total parce que c'est pas un écran total. C'est même pas un protecteur tout court, c'est juste pour soulager et c'est vraiment super efficace. Donc la biafine et votre ami, si comme moi, vous chopez un méga coup de soleil. Voilà, donc c'est mes indispensables pour l'été, pour passer les bonnes vacances. Je sais que les vacances sont bientôt terminées, mais moi, que voulez-vous, je viens de rentrer des miennes, donc autant que je vous donne mes petits trucs pour que vous passiez un bon mois d'août. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les make-upies. Ciao, ciao. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, donc vous pouvez constater, j'ai pas ajouté grand-chose, j'ai fait mes sourcils, j'ai unifié ma paupière mobile avec un